Bonjour et bienvenue sur Kisoulou, c'est parti pour une nouvelle recette de pâtes aux courgettes, aux raisins et aux noix. L'histoire derrière cette recette, elle est énorme parce que mon cousin m'a mis au défi de lui faire aimer une recette végétarienne. Et cette recette a tout simplement eu raison de lui. Pour les ingrédients, j'ai eu besoin de 3 légumes. Donc d'abord une courgette que j'ai coupée en rondelles puis en lamelles. Avec la courgette d'une tomate tout simplement que j'ai coupé en petits dés. Et à côté, 2 oignons que j'ai également coupé. Donc je prends le tout, que je fais revenir. D'abord j'ai mis mes oignons pour essayer de les faire dorer un peu. J'ai rajouté ensuite les courgettes. Et dans un troisième temps, j'ai rajouté ma tomate. Pour gagner du temps, dans cette recette, ce que vous pouvez faire, c'est faire bouillir votre eau déjà pendant que vous faites revenir les légumes. Donc une fois que l'eau bout, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute mes pâtes, tout simplement. Donc j'ai choisi des coudes rayées, ça change un peu des pâtes traditionnelles. Donc voilà, j'ai bien aimé ça, c'était très bon. Donc voilà, je mélange le tout et je rajoute 20 centilitres de crème fraîche. Et ensuite vient le moment où on va enflammer le palais avec des épices et des noix. Au niveau des épices, donc j'ai choisi un cube magique simplement et du poivre, donc j'ai mélangé. Et voilà les noix qui rajoutent une touche mais particulière à cette recette qui la rend vraiment insolemment délicieuse. Voilà pour cette recette qui a eu raison de mon cousin. Donc je vous invite à la tester tout simplement et dites-moi ce que vous en pensez. Et d'ici là, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou sur les différents réseaux YouTube, Instagram. N'hésite pas à t'abonner. Ciao et bon appétit !